الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى درسنا في شرح حديث جبريل الذي شرحه العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر وذكرنا الأمور الثلاثة أو التقريرات الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آيات عديدات أما الأمر الأول ذكرها الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة البعث فالأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة والتنبيه الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها وأما الأمر الثالث فهو التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس وذكرنا كذلك الحشر وبعض أوصاف يوم القيامة نكونتنو إن شاء الله تبارك وتعالى الإكسبيكاسيون دي حديث جبريل إكسبيكي بار الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Nous avions parlé la semaine dernière de la croyance au jour du jugement et que cette croyance engendrait ou avait pour conséquence directe de croire à la résurrection après la mort. Et nous avions cité les trois arguments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répétés dans plusieurs versets qui se résument en trois arguments. Samir, tu peux me les citer ? Les trois arguments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés pour prouver que la résurrection est véridique. Idriss. Hanafi. Le premier argument, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé, le premier argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour prouver ou pour appuyer le fait que la résurrection est vraie, c'est que comme il a créé l'être humain la première fois, il est capable, subhanahu wa ta'ala, de le faire ressusciter. Et nous avions aussi expliqué que il était plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter un mort que de le créer. Car la création d'une personne, d'un être humain, est faite à partir du néant, à partir de rien. Tandis que la résurrection est faite à partir de quelque chose. Le deuxième argument cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, c'est le fait qu'il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre après qu'elle soit morte, il fait revivre les morts, ou il ressuscite les morts. Et le troisième argument cité aussi par Allah subhanahu wa ta'ala dans énormément de versets, c'est le fait de qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre qui sont plus complexes et plus immenses que la création de l'être humain. طيب نواصل إن شاء الله تعالى يقول الشيخ حفظه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوردها البخاري رحمه الله في باب في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها 19 طريقا
وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابيا، ذكر 25 منهم نقلا عن القاضي عياض وثلاثة نقلا عن النووي، وزاد عليها قريبا من ذلك، فزادوا على 50 صحابيا. وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابيا، ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا. Donc parmi la croyance au jour du jugement dernier, c'est de croire également au fleuve de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths relatant ou parlant du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du lac, ils ont été, ces hadiths-là ont atteint le plus haut degré d'authenticité. Le plus haut degré d'authenticité est le hadith al-mutawatir. Et le cheikh a notamment expliqué que ce hadith-là avait été rapporté par plus d'une cinquantaine de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Et parmi les hadiths qui ont été rapportés qui décrivent le lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon lac ou mon bassin, le mot bassin est le plus approprié à mon avis, mon bassin a une distance où sa longueur est d'une distance qui est parcourue en un mois. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est meilleure que l'odeur du musc. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Celui qui boira de ce fleuve ou de ce bassin, il ne connaîtra plus jamais de soif. Hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah les agrée. ورواه مسلم في صحيحه ولفظه حوض مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. Et Muslim rapporte dans son sahih le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon bassin a une longueur parcourue en un mois, ses côtés sont semblables ou ont une distance identique ou une longueur identique, son eau est plus blanche que l'argent, son odeur est meilleure que le musc, ses récipients sont au nombre des étoiles présentes dans le ciel, celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus de soif après en avoir bu. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه يخشب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. إلى رابورتي دون الصحيح de مسلم selon Abu Dhar radiyallahu anhu, qu'Allah l'agréé, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en parlant de son bassin qu'il en sortira deux gouttières d'où couleront son eau, l'eau du bassin, deux gouttières venant du paradis. Celui qui y boira ne connaîtra plus de soif. Sa longueur, la longueur du bassin, est identique à sa largeur. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme en parlant de la longueur du bassin, comme la distance entre Amman et Ayla. Et les savants ont expliqué que Amman est une ville située au niveau de Al-Bahrain, c'est-à-dire la côte est de l'Arabie Saoudite, la côte sud-est actuelle de l'Arabie Saoudite, celle qui donne face directement à l'Iran. Et Ayla, la ville Ayla,
les savants ont expliqué que Aylah était une ville qui se situait au niveau du Chêne, en dessous de la Palestine, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, à la limite ou au bord de la mer Rouge. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'eau de son bassin était plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرتكم أي أسبقكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختل جن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. Et il y aura des gens qui seront refoulés du bassin. Ils seront rejetés. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je serai le premier ou je vous précéderai vers mon bassin. » Puis, il y aura des personnes qui seront amenées vers moi et puis seront éloignés de moi. Et je dirai, ô Allah, mes compagnons. Puis il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ensuite, le cheikh Abdel Mohsin Abed, hafidhallah, explique que ces personnes-là sont des personnes très peu nombreuses qui ont quitté l'islam ou qui ont abandonné l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été combattus par Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et d'autres savants expliquent que les gens de l'innovation, ceux qui innovent dans la religion, seront rejetés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'en boiront pas l'eau. Et les savants notamment utilisent ce hadith pour montrer la gravité de l'innovation en islam, et que nous devons retourner à ce qui a été rapporté, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, et ce qui nous a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et à titre de parenthèse, vous allez beaucoup entendre ces jours-ci du soi-disant anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est préférable de le fêter. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple, c'est lui qu'on doit suivre. Et si quelqu'un devait fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça serait tout d'abord lui. Il serait le premier à le fêter sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé dans le Coran seraient les premiers à fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, il n'a été rapporté aucun hadith, que ce soit un hadith authentique ou faible, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté son anniversaire ou a veillé la nuit de sa naissance ou de la nuit de son anniversaire, ou a fêté ou a rassemblé ses compagnons dans la mosquée et manger un repas, etc. Aucune de ces informations nous est parvenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont été très clairs sur ce sujet, que c'est une innovation dans la religion que de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des voies est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée.
Donc c'était une parenthèse que je voulais faire, étant donné que vous allez beaucoup entendre ça ces jours-ci. والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا منهم وأنهم يذاذون عن الحوض، والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود أو بالذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليست فيهم سيما التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Il y a une secte qui s'appelle Ar-Rafida, qui est une faction des chiites, qui sont les plus radicaux des chiites, qui ont une rancune envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ar-Rafida, cette secte égarée, dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé leur religion après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sauf un nombre très minime d'eux. Et que ce sont ces compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront rejetés et refoulés devant le bassin. Et Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad leur répond en leur disant que ce sont eux, Ar-Rafida, qui méritent le plus d'être refoulé du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, Cheikh dit, car parmi les égarements de cette secte Ar-Rafida, ils ne lavent pas leurs pieds pendant le wudu, pendant les ablutions. Ils se contentent seulement de les essuyer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Waylun lil a'qab min an-nar. Le sens, c'est que malheur, ou le feu, malheur à celui qui ne lave pas ses talons. Le prophète sallam a dit malheur à celui qui ne lave pas ses talons. Alors que dire de celui qui ne lave pas ses pieds? On parlera de ça la prochaine. Concernant le frère qui pose la question sur le fait de passer sur les chaussettes, ça, ça n'a rien à voir avec le fait de laver les pieds. Il y a laver les pieds pendant les ablutions, qui est une chose, et essuyer sur ses chaussettes ou sur ses sandales ou sur ses chaussures, qui est une autre chose. Le fait d'essuyer sur ses chaussures, chaussettes et sandales, les hadiths sur ce sujet-là sont également mutawatir. Les hadiths qui rapportent que le prophète sallam a essuyé ses chaussettes, ses chaussures et ses sandales pendant les ablutions ont atteint le plus haut degré d'authenticité. Donc, tout musulman se doit de croire que d'essuyer sur ses chaussettes est autorisé en islam. Et celui qui vous dit que cela n'est pas autorisé, il faut vous méfier de lui. Et les savants ont cité des conditions, donc là c'est une parenthèse que je fais pour répondre à la question du frère, les savants ont cité des conditions en s'appuyant sur des hadiths, bien sûr, sur le fait d'essuyer sur les chaussettes. Quelles sont les conditions pour qu'un musulman, pendant ses ablutions, puisse essuyer sur ses chaussettes sans avoir besoin de les enlever et de laver ses pieds? La première condition, c'est d'avoir mis ses chaussettes, ou ses chaussures, ou sandales, en état d'ablution. Il faut d'abord que tu aies fait tes ablutions entièrement en lavant tes pieds, et ensuite avoir mis tes chaussettes. Donc ça, c'est la première condition, de les avoir mis en état d'ablution. Ensuite, la deuxième condition, c'est que pour celui qui n'est pas voyageur, il lui est permis d'essuyer sur ses chaussettes pendant une durée de 24 heures. Pour celui qui n'est pas en voyageur. Celui qui est voyageur, c'est 3 jours.
c'est 72 heures. Et les savants ont expliqué aussi que on décompte le temps autorisé pour essuyer à partir du moment où tu as essuyé pour la première fois, pas à partir du moment où tu as mis tes chaussettes. Donc le décompte, quand tu es, par exemple, quand tu n'es pas voyageur, tu commences à compter les 24 heures la première fois où tu as essuyé tes chaussettes. C'est clair? Parmi les autres conditions aussi, c'est que d'enlever les chaussettes, après les avoir essuyées, ça annule les faits de les essuyer après. Donc une personne qui a par exemple fait ses ablutions entièrement, a lavé ses pieds, puis ensuite met ses chaussettes, et refait les ablutions, essuie sur ses chaussettes, s'il les enlève et qu'il les remet, il n'a plus le droit d'essuyer après. Il faut qu'il refasse les ablutions. Et encore une autre chose, celui qui les enlève, ses ablutions ne sont pas annulées. Ses ablutions n'en sont pas annulées. Par exemple, tu fais tes ablutions, tu laves tes pieds, tu mets tes chaussettes. Ensuite arrive une autre prière, tu fais tes ablutions, tu essuies sur tes chaussettes. Et on suppose que de suite après avoir essuyé dessus, tu les enlèves. En les enlevant, ça t'annule ou ça t'interdit de les essuyer après sans avoir fait les ablutions, mais ça t'annule pas les ablutions. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair. Et aussi une autre chose qui annule le fait d'essuyer sur les chaussettes, c'est de ne pas avoir ses grandes ablutions. Celui qui perd ses grandes ablutions, automatiquement, le fait d'essuyer sur ses chaussettes, ça annule. C'est clair? Donc là, je vous ai dit, je vous cite ça pour répondre à la question du frère, brièvement. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler en citant la parole des savants et les hadiths qu'ils utilisent pour appuyer leur avis. Et parmi les égarements également de Ar-Rafida, cette secte égarée, donc qui est une faction des chiites, outre le fait de dire que la plupart des compagnons sont mécréants, donc certains des Rafida disent que la plupart des compagnons, sauf très peu, sont mécréants. Ceux qui disent ça, ce sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc celui qui dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mécréants, il a mécru au Coran. Et celui qui mécroit au Coran, c'est un mécréant. Parmi aussi les égarements de cette secte, c'est qu'ils disent par exemple que dans surat al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fadhabahouha, lorsqu'ils ont égorgé la vache, Ar-Rafida disent que la vache, c'est Aïcha radiallahu anha. Regardez à quel point ils sont égarés. Ils insultent Aïcha radiallahu anha, que des savants disent que c'est la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est une vache, et que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'ils ont égorgé la vache, et bien ils disent que c'est Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, qui est une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères. Ce sont les mères des croyants. Donc comment oser, ne serait-ce que penser, que sa mère est une vache? Parmi aussi leur égarement, c'est qu'ils ont certains imams qu'ils considèrent comme infaillibles. Pour eux, leurs imams ne commettent pas d'erreur. Ils ont beaucoup d'égarements et beaucoup de savants disent que Ar-Rafida sont des mécréants. Al-Bukhari, rahimahullah, dit de prier derrière un Rafidi ou de prier derrière un juif ou un chrétien, pour moi c'est pareil. Et Al-Bukhari, rahimahullah, continue en disant que
on ne doit pas accepter leur témoignage. On ne doit pas manger les bêtes qu'ils ont égorgées. On ne doit pas leur donner nos filles en mariage, tellement ils sont égarés. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوزن أعمال العباد فإنها تحصى ثم توزن فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Parmi la croyance, au jour du jugement, il y a le fait de croire que les actes des serviteurs seront pesés le jour du jugement. Elles seront d'abord répertoriées, rassemblées, puis elles seront pesées. Les actes, ils seront répertoriés, puis pesés. Celui dont la balance sera lourde de bonne action, il sera épargné, il aura gagné. Quant à celui pour lequel sa balance aura été légère, il connaîtra la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et la pesée, ce jour-là sera équitable, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions peseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, « Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance sera légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement en enfer. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض رواه مسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, donc là le cheikh عبد المحسن العباد حفظه الله cite les hadiths qui prouve que les actions seront pesées le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, la purification est la moitié de la foi. Et alhamdulillah, c'est-à-dire le fait de dire alhamdulillah, remplit la balance. Et subhanallah et alhamdulillah, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah et alhamdulillah, elles remplissent une distance égale à la distance entre la terre et les cieux. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatan habibatan ila ar-Rahman khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallah al-Azim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, deux phrases sont très aimées par le miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont faciles à prononcer pour la langue et elles seront très lourdes dans la balance. Ces deux paroles sont Subhanallah wa bihamdih et Subhanallah al-Azim. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. والأعمال وإن كانت أعراضا فالله يجعلها أجساما توضع في الميزان والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله فإنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ومن ذلك أعمال العباد وزنت أو لم توزن. Les actes, même si ce ne sont pas des actes matériel, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera un corps à ces actes qui ne sont pas matériels, afin qu'ils soient pesés, afin que ces actes soient pesés. Et le cheikh explique que la sagesse dans le fait de peser les actions des gens, c'est pour montrer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que chaque personne se rende compte des actes qu'il a accompli. Mais, et cela n'est en aucun cas un défaut d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous les actes qui ont été accomplis. Allah subhanahu wa ta'ala est le savant de toutes choses et connaît tous les actes que chacun de nous a accomplis, que ces actes soient pesés ou non. وَالْوَزْنُ كَمَا يَكُونُ لِلْأَعْمَالِ يكون لصحائف الأعمال كما في حديث البطاقة والسجلات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فيقول أي فيقول الله احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة أمام السجلات فقال أي الله إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. De même que les actes seront pesés le jour du jugement, il en est aussi pour les archives dans lesquelles sont enregistrés les actes. Ces archives aussi seront pesées le jour du jugement. Et la preuve est le hadith qui est connu chez les savants et qui est appelé hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala accordera le salut à un homme de ma communauté devant tout le monde le jour du jugement. Il sera sorti devant lui, devant cet homme, 99 archives, 99 grandes feuilles, où seront notés tous les actes que cet homme a accomplis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, archive ou registre, on peut traduire par archive ou par registre, c'est vrai que registre est plus approprié. Donc, il sera sorti 99 registres sur lesquels sont enregistrés les actes accompli par cet homme.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque registre a une longueur égale à la portée de la vue. Égale à la portée de la vue. Donc ce que l'œil humain peut voir au plus loin, ce sera la taille d'un des registres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dira à cet homme, est-ce que tu renies de ce qu'il a écrit dans ses registres? Est-ce que tu renies quelque chose de ce qui a été écrit? Est-ce que les anges qui ont écrit tes actes, est-ce qu'ils t'ont offensé? Il dira non, non, ô Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, as-tu une excuse? Il dira non, ô Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira si. Tu as chez nous une hasana, une bonne action. Et aujourd'hui, tu ne seras pas offensé. Ensuite, il sera sorti une carte sur laquelle ou sur laquelle est inscrit « J'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, ashhadu an la ilaha illallah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et le serviteur d'Allah est son envoyé. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dira à cet homme « Assiste, viens assister à la pesée de tes actes, ou à la pesée de ses registres. » Et l'homme dira, oh Allah, quelle est cette carte qui est devant ces 99 registres? Allah subhanahu wa ta'ala lui répondra, aujourd'hui tu ne seras pas offensé. Puis, les 99 registres seront déposés sur un plateau de la balance et la carte sur laquelle est inscrit « Ashhadu an la ilaha illallah » « وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » sera déposé sur l'autre plateau de la balance. Et ce sera le plateau sur lequel a été posée la carte qui sera le plus lourd. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَلَا يُثْقَلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ » Rien n'est plus pesant que le nom d'Allah. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Hakim. C'est un hadith également qui est présent dans la silsila sahiha de Sheikh Al-Albani. Donc ce hadith-là prouve que les registres sur lesquels sont enregistrés les actes de chacun de nous seront également pesés le jour du jugement. وَيَكُونُ الْوَزْنُ أَيْضًا لِلْعَامِلِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ سَاقَيْ إِبْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ وهو حديث حسن وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره. Donc le cheikh a expliqué que les actes seront pesés, les registres dans lesquels les actes sont enregistrés seront pesés le jour du jugement, mais également la personne elle-même sera pesée. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ces deux mollets sont apparus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plaisantant, ils se sont moqués des mollets de Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tellement ils étaient maigres. Les compagnons radhiyallahu anhu se sont moqués d'Ibn Mas'ud, se sont moqués des mollets d'Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ils seront les deux mollets d'Ibn Mas'ud, ils seront plus pesants dans la balance le jour du jugement que la montagne de Uhud. Je ne sais pas si beaucoup ont vu la montagne de Uhud, c'est une montagne gigantesque. Son poids, Allahu a'lam bih. Seul Allah connaît son poids, mais ceux qui l'ont vu se rendront compte de la grandeur de cette montagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux compagnons en leur disant, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ils sont, c'est-à-dire les mollets d'Ibn Mas'ud, ils seront plus pesants, plus lourds le jour du jugement dans la balance que la montagne de Uhud. Et c'est un hadith jugé bon rapporté par Ahmed et autres. Wa min al-iman bil yawm al-akhir الإيمان بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم
يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يزحف زحفا. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. Et parmi la croyance au jour du jugement, il y a le fait de croire au pont As-Sirat, qui est un pont qui sera établi au-dessus de l'enfer. Les musulmans le traverseront afin d'accéder au paradis. Et chaque musulman le traversera proportionnellement à ses actes, selon les actes qu'il a accomplis sur cette terre. Certains le traverseront comme un éclair, d'autres le traverseront comme le vent, d'autres ramperont, d'autres traverseront ce pont en rampant. Al-Bukhari Muslim rapporte selon Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallam a dit que le pont sera établi entre les deux extrémités de l'enfer, et je serai le premier qui le traversera. Je serai le premier qui le traversera. Et ce jour-là, le jour du jugement, personne n'aura l'autorisation de parler sauf les envoyés. Et les envoyés ce jour-là diront: « Oh Allah, épargne-nous, oh Allah, épargne-nous. » Et en enfer, il y a des crochets mithlo shawki sa'dan, des crochets comparables à des épines de chardon. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons: est-ce que vous avez vu les épines de chardon? Les compagnons radiallahu anhum répondront: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira: eh bien, ces crochets qui sont présents en enfer, ils ressemblent aux épines de chardon. Sauf que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur grandeur, leur taille. Et ces crochets attraperont les gens et les blesseront selon les actes qu'ils ont accomplis. Certains seront épargnés et d'autres seront jetés en enfer. Donc je vous ai rapporté une photo de chardon. Et vous allez voir les épines qui sont... Je vais faire passer la feuille. Hada shawki sa'dan. Je vous laisserai regarder en attendant. Donc les épines que vous allez voir dans la photo que j'ai retrouvée. Donc c'est une photo, vous pouvez chercher sur internet, vous la trouverez, vous tapez photo chardon. Et vous verrez, il y a plusieurs sortes de chardon. En général, le chardon, c'est une plante qui a des feuilles épineuses. Il y a plusieurs sortes. Et je vous en ai sorti une d'entre elles. Wa fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah wa Hudhayfa radiyallahu anhuma wa fihi wa tursalu al-amanah war-rahim fataqumani janibatay as-sirat yaminan wa shimala wa yamurru awwalukum kal-barq. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: أولم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد،
حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. مسلم رواه في صحيح سنن أبو هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنهما كالله يزغري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce jour-là, le jour du jugement, le dépôt, l'amana, et le lien de parenté seront envoyés. Chacun d'eux se mettra de part et d'autre du pont. Donc d'un côté, il y aura le dépôt, l'amana. Le dépôt, c'est, l'amana, c'est quand quelqu'un te confie quelque chose. Ça s'appelle une amana, ça s'appelle un dépôt. Il te confie quelque chose, soit pour le préserver, soit pour le donner à quelqu'un d'autre, etc. Tout ce qui t'est confié est un dépôt. Et le fait d'être sincère et de donner l'importance au dépôt et de ne pas le voler, de ne pas en prendre soin, est un grave péché. Donc ce jour-là, le dépôt, l'amana, sera d'un côté du pont, et Ar-Rahim, le lien de parenté, sera de l'autre côté. Ensuite, le professeur Asselin dit, les premiers d'entre vous traverseront le pont à la vitesse de l'éclair. Et ensuite, les compagnons ont dit au prophète, que signifie comme l'éclair? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: ne voyez-vous pas comme l'éclair apparaît et réapparaît en un clin d'œil? Puis ensuite ceux qui passeront comme le vent, traverseront le pont comme le vent, comme la vitesse du vent, d'autres comme la vitesse d'un oiseau et d'autres comme la vitesse de la course. La vitesse de la course d'un homme. Lorsqu'un homme court, des personnes traverseront le pont à une vitesse semblable à un homme qui court. Et le prophète sallam dit, et votre prophète sera debout sur le pont et il dira: oh Allah, épargne-nous, épargne-nous. Jusqu'à ce que certaines personnes ne puissent traverser qu'en rampant. Ensuite le prophète sallam dit, et de part et d'autre du pont, il y aura des crochets qui seront suspendus. Et ces crochets-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonnera d'attraper des personnes ou de blesser des personnes. Le prophète sallam dit, certains seront blessés par ces crochets et d'autres seront plongés en enfer. Au fi sahih muslim, وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقول اللهم سلم ويقولون اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, un hadith rapporté par Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dit, où le prophète صلى الله عليه وسلم dit, puis le pont sera établi au-dessus de l'enfer et il me sera autorisé l'intercession. Il sera autorisé au professeur Hassan d'intercéder. Les compagnons ont demandé au professeur Hassan: ô envoyé d'Allah, et qu'est-ce que le pont? Il répondit: c'est un endroit glissant
où il y a des crochets, et ces crochets seront suspendus sur une terre élevée, seront suspendus au-dessus du pont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces crochets seront identiques ou semblables aux épines de charbon que vous venez de voir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que les croyants traverseront le pont comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme l'oiseau, d'autres comme les chevaux. Certains seront épargnés, d'autres seront blessés et d'autres seront plongés dans le feu de Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات التي وردت في الكتاب والسنة منها الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم في تخليص أهل الموقف مما هم فيه وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم عليه السلام إلى الذين قامت عليهم الساعة وقد مرت الإشارة إليها قريبا في كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. Et parmi la croyance au jour du jugement, il y a le fait de croire aux différentes intercessions qui ont été rapportées dans le Coran et dans la Sunna. Parmi ces intercessions, il y a la grande intercession qui est propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah nous juge, afin qu'Allah commence le jugement. Car comme on l'avait expliqué la semaine dernière, l'attente sera interminable le jour du jugement. Le fait que nous attendrons notre jugement et que l'attente sera longue, cette attente en elle-même est une épreuve. Est une épreuve redoutable, est une épreuve difficile. Car pendant tout ce temps-là, chacun de nous se demandera quelle est sa destinée. Est-ce qu'il va aller en enfer ou est-ce qu'il va aller au paradis? Comment va se passer son jugement? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, le jour du jugement est estimé à 50 000 ans. Le jour du jugement est estimé à 50 000 ans. Sa durée est de 50 000 ans. Et l'attente sera un supplice en elle-même. Et tellement le supplice sera énorme, on demandera au prophète d'intercéder en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine dernière, j'avais dit que les prophètes à qui on demandera l'intercession sont Ulul Azm, les cinq. Mais j'ai oublié de citer Adam alayhi salam. Le premier vers qui on se dirigera le jour du jugement pour demander l'intercession auprès d'Allah afin qu'il commence le jugement sera Adam alayhi salam. Ensuite, il s'excusera et il nous répondra que ce n'est pas de son ressort de demander une telle intercession. C'est pour cela que Cheikh Abdel Mohsen Abed a bien expliqué que cette intercession est propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après le refus et l'excuse de Adam alayhi salam, on se dirigera vers Nuh alayhi salam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah. Et il nous demandera d'aller demander à Ibrahim, qui nous demandera d'aller demander à Moussa alayhi salam, qui lui aussi s'excusera et nous demandera d'aller demander à Isa alayhi salam, qui s'excusera également. Et il nous dira, allez voir Muhammad sallallahu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs, ses péchés passés et futurs. Allez lui demander. Ensuite, nous dirigerons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, afin qu'il commence le jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répondra, c'est moi qui en suis le propriétaire. C'est à moi ou c'est pour moi qu'elle est de droit. Cette intercession, c'est un droit qui m'a été accordé à moi.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala et se prosternera devant lui, comme ce hadith-là est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala un temps jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala laissera son prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné jusqu'à ce qu'il lui dit: lève ta tête, demande, tu seras exaucé, et intercède, nous accepterons ton intercession. Et c'est ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en notre faveur. Donc cette intercession est appelée chez les savants ash-shafa'atul 'uzma, la grande intercession. Parmi les autres intercessions, ومنها الشفاعه في من استحق النار ان لا يدخلها ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء على الصراط اللهم سلم سلم وقد مر الحديثان في ذلك قريبا عند المرور على الصراط. La deuxième intercession, c'est d'intercéder auprès de ceux qui méritent l'enfer, le feu, de ne pas y entrer. Et la preuve, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres envoyés diront lorsqu'ils seront sur le pont: oh Allah, épargne-nous, épargne-nous, c'est-à-dire épargne-nous de l'enfer, épargne ceux qui méritent d'entrer en enfer, épargne-les de l'enfer. Donc ceci est la deuxième intercession parmi les intercessions du jour du jugement. ومنها الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم ويدل لذلك قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء ومنه رفع درجات زوجته والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ومنه رفع درجات زوجاته صلى الله عليه وسلم إلى درجته. Et une autre intercession qui sera accordée le jour du jugement, c'est de monter en grade ceux qui sont au paradis un grade au-dessus de ce qu'ils méritaient en fonction de leur acte. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit selon le sens: ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Et Cheikh Abdel Mohsen Abed explique que parmi ceux qui à qui cette intercession sera accordée sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront montées ou à qui on accordera le degré qu'aura atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le verset que j'ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui ont cru et ceux dont la descendance les ont suivis dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Rejoignent qui? Ceux qui ont cru. Donc, on suppose, en donnant un exemple, celui par exemple qui a un père pieux, et ce père a un degré au paradis, et que sa descendance a suivi ce père dans la foi, dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala accordera à sa descendance qui l'a suivi dans la foi, accordera à sa descendance le degré de son père. Vous avez compris? Et donc, ce sera une intercession. Parmi les choses qui seront demandées, parmi les intercessions qui seront demandées le jour du jugement, c'est que on demande, il sera demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que la descendance ou que ceux qui ont atteint un degré au paradis proportionnel à leurs actes
qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un degré plus élevé. ومنها الشفاعة لدخول الجنة بغير حساب لدخول الجنة بغير حساب ويدل له دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعكاش بن محصن ليكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب رواه البخاري ومسلم. Et parmi l'autre intercession, parmi les intercessions du jour du jugement, c'est le fait d'entrer au paradis sans avoir de jugement. Et la preuve, c'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Ukasha, radiyallahu anhu, afin qu'il fasse partie des 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans connaître de jugement. Sans connaître de jugement. Et dans une autre version, donc ça c'est un commentaire de ma part, dans une autre version qui est authentique, le professeur Sam dit qu'avec chaque 70 000, il y aura 70 000 autres. Donc le frère me reprend dans la clavier et qui me dit que ce n'est pas avec les 70 000 qu'il y aura 70 000, mais avec tous les 1000 il y aura 70 000. Donc 70 000 personnes entreront au paradis sans connaître de jugement, et dans une autre version, avec 1000, avec tous les 1000, il y aura 70 000 autres. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه أخرجه البخاري ومسلم. وهذا التخفيف مخصص لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Et parmi les autres intercessions, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fera pour son oncle Abi Talib, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rabaisse le châtiment du feu. Il était rapporté dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala répondra à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et placera l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Talib, sur deux plaques de feu jusqu'à ce que son cerveau boue, jusqu'à ce que son cerveau se mette à bouillir. Donc ça, c'est le châtiment le plus bas que connaîtront les gens de l'enfer. Le châtiment le plus bas de l'enfer et le fait de placer la personne sur deux plaques de feu jusqu'à ce que son cerveau se mette à bouillir. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il faut savoir que ce hadith restreint la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Et ceux qui ont mécru, ceux qui n'ont pas cru, ils connaîtront le feu de l'enfer. » Ni ils seront achevés et mourront, et ni ils connaîtront un rabaissement de leur châtiment. Donc la règle, c'est que ceux qui n'ont pas cru, en enfer, ils ne connaîtront ni la mort, et ils ne connaîtront ni rabaissement de leur châtiment. Leur châtiment ne sera pas rabaissé, et ils ne connaîtront pas la mort. Ils y resteront éternellement. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui vient spécifier ce verset. La base, c'est ce verset, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient le spécifier. وَمِنْهَا شَفَاعَتُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ وَيَدُلُ لَهُ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا رواه مسلم.
وفي لفظ له أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم. Et parmi les autres intercessions, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'entrer au paradis. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je serai le premier des êtres humains qui intercédera pour entrer au paradis. Et je suis le prophète qui aura le plus de personnes qui le suivent. Et dans une autre version, je suis de tous les prophètes le jour du jugement celui qui aura le plus de personnes qui le suivent. Et je serai le premier à franchir la porte du paradis. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je viendrai devant la porte du paradis le jour du jugement et je demanderai qu'on m'ouvre. Le gardien du paradis dira: qui es-tu? Je répondrai: Mohammed. Le gardien répondra: j'ai été ordonné de t'ouvrir la porte, on m'a ordonné de t'ouvrir et de n'ouvrir à personne avant toi. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. On a ktafi bihad al-qadr. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.